Salut à tous, bienvenue dans ce débrief de soirée de Ligue des Champions. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Le Racing Club de Lens tenu en échec pour cette troisième journée de Ligue des Champions, après avoir gagné contre Arsenal à la surprise générale et fait match nul au FC Séville, Lens se devait de gagner ce soir contre le PSV Eindhoven. Mais le PSV Eindhoven a tenu en échec le Racing Club de Lens. Le Racing Club de Lens n'a pas tenu son rang de favori. Le Racing Club de Lens catastrophique en première mi-temps, mais heureusement, grâce au duo Frankowski et Eric Gouailly, il y a eu un Racing Club de Lens à réaction qui permet au Racing Club de Lens de rester en vie dans ce groupe et d'arracher le match nul en fin de match. Et grâce à ce point, le Racing Club de Lens reste deuxième de la poule et reste en course pour aller en huitième de finale de Ligue des Champions. Le Racing Club de Lens reste invaincu dans cette poule après ces deux matchs nuls et cette victoire contre Arsenal. Mais quand tu bats Arsenal, vice-champion d'Angleterre et à l'heure actuelle deuxième de Première Ligue, tu te devais ce soir de montrer un autre visage. Le Racing Club de Lens a sous-estimé cette équipe du PSV Eindhoven et c'était prévisible. C'est toujours comme ça avec les clubs français. Tu bats des grosses équipes et une fois qu'après tu rencontres une équipe un peu plus faible sur le papier, et bah tu commences à prendre la grosse tête. Et ce soir, le Racing Club de Lens en première mi-temps a été catastrophique. Mais heureusement que le duo Elie Saïd, qui fait toujours des dingueries en Ligue des Champions depuis son transfert, depuis ce début de Ligue des Champions, et grâce à Frankowski, et bah le Racing Club de Lens quand même a su réagir en deuxième mi-temps. Ça avait mal commencé hein, en début de deuxième mi-temps avec ce but de Bakayoko à la 55e minute. Mais heureusement, Elie Wahi à la 65e, sur une passe de Frankowski, permet au Racing Club de Lens d'arracher ce match nul. Mais pour moi, Nono, le Racing Club de Lens ce soir avait les moyens de faire mieux que ce match nul. Mais malheureusement, le Racing Club de Lens a pris pour moi, Nono, ce match à la légère. Ah ben je ne sais pas, Sacha, s'ils l'ont pris à la légère, mais elle lance en première mi-temps soporifique. Voilà. Donc, ouverture du score méritée par Eindhoven. Bon, que dire de plus? Bon, ben, toujours les mêmes ingrédients, mais ça ne suffit pas. Il faut quand même jouer un peu au football. C'est bien beau l'intensité, c'est bien beau le mental, mais ça manque de talent. Bon, ben, tu ne perds pas tes deux meilleurs joueurs comme ça, sans que ça ne cause pas des dégâts. Bon, ben, match nul, on va dire heureux. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, hein? Mais dans le contenu, ça a été un match quand même assez décevant. Voilà, le Racing Club de Lens, quoi qu'il en soit, reste deuxième avec 3 points d'avance sur le troisième, le FC Séville. Match retour au PSV Eindhoven dans 2 semaines. Lens aura les moyens de faire quelque chose. Et à l'arrivée, Lens est seulement un point derrière Arsenal. Tout reste possible dans cette poule. On a Arsenal premier 6 points, deuxième Lens 5 points, troisième Séville 2 points, quatrième PSV Eindhoven 2 points. Je pense que Lens, quand même, Nono, a les moyens d'au moins finir deuxième. Même finir deuxième, ce serait un miracle, hein, vu l'équipe qu'ils ont. Mais très clairement, finir deuxième serait déjà un bel exploit. Être invaincu au bout de 3 journées, je pense que personne ne pouvait le prédire. Et au moins, le Racing Club de Lens se bat, contrairement à des Lille ou contrairement à d'autres équipes qui repartaient, contrairement à des Lille ou à des Marseille qui se sont retrouvés des fois à faire des 0 points en Ligue des Champions, là en 3 matchs, 5 points, c'est quand même mieux que rien. Qui aurait pu dire, Nono, après le début de saison catastrophique du Racing Club de Lens, que Lens, au bout de 3 journées de Ligue des Champions, dans cette poule-là, qui est loin d'être simple, aurait eu 5 points sur 9, deuxième et surtout invaincu. Oui, d'accord, Sacha, mais le tirage n'a pas été infernal, hein. Ça n'a pas été un. C'est pas le groupe de la mort, quand même. Bon, ben, qu'est-ce que je vais te dire, moi? Malgré que j'ai été déçu Non, par non, je suis Frankowski. désolé, hein, je te coupe, mais le FC Séville qui a gagné un bon nombre d'Europa League ces dernières années, Arsenal vice-champion d'Angleterre, le PSV qui a l'habitude de participer à cette compétition, c'est un groupe loin d'être simple. On a vu des groupes que Lille avait il y a quelques années, que Marseille avait il y a quelques années, et c'était catastrophique. Et ils avaient des effectifs beaucoup plus forts que ceux du Racing Club de Lens à l'heure actuelle, Nono. Oui, je suis d'accord, aussi bien au niveau d'effectif qu'au niveau du budget, tout ce qu'on veut. Bon, ben, Lens fait ce qu'il peut avec les moyens qu'ils ont cette année. Bon, ce que j'ai peur pour eux, On t'entend très si... mal, Nono, on t'entend très mal. Essaie de te rapprocher du micro. Ce que j'ai peur pour eux, c'est qu'ils risquent de le payer en championnat. Attention à eux aussi en championnat. Bon, ben, qu'est-ce que tu veux? On ne peut rien leur reprocher, hein. Ils font avec les moyens du bord, ils mettent les ingrédients qui est leur ingrédient à eux, c'est-à-dire l'intensité et le mental. Mais comme je le dis, le contenu est insuffisant et ça manque quand même de talent. Malgré tout, sauvé par ce but magnifique de Wayne.
Alors on va passer aux autres scores de cette soirée de Ligue des Champions. On va faire un petit débrief, hein, match par match de cette soirée de Ligue des Champions ce soir. On va commencer par l'autre résultat du groupe, Nono, Arsenal qui va gagner au FC Séville 2 buts à 1 grâce à des buts de Gabriel Jesus et de Gabriel Martinelli. Donc voilà, le Séville, FC Séville qui perd chez lui. La Real Sociedad qui va gagner au Benfica Lisbonne, le Napoli qui va gagner à l'Union Berlin, le Real Madrid hein, qui a gagné mais difficilement à Braga, 2 buts à 1, grâce encore à un but de Jude Bellingham et Rodrigo aussi qui a marqué. Le Braga qui était revenu à un but partout, hein, mais voilà, Jude Bellingham encore qui permet au Real Madrid de s'imposer 2 buts à 1, 2 passes décisives de Vinicius Junior, Nono, un but de Bellingham. Ont-ils vraiment besoin de Mbappé, hein? Ah, ben quand tu vois Vinicius, encore les accélérations qu'il fait ce soir, j'ai zappé un petit peu, je ne te le cache pas, lui aussi il va très vite. Tu as oublié Manchester United, qu'on lui a mal fou à Bad Copenhague, sauvé par Onana qui arrête un pénalty à la 95e. Donc eux, ils ont beaucoup de difficultés aussi. Bon, ben on va se dire que tous les matchs sont difficiles, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors non, on va essayer de couper aussi le haut-parleur pour essayer de t'entendre mieux. Bon voilà, l'Inter de Milan qui gagne à domicile contre Salzbourg, le Bayern de Munich qui va gagner à Galatasaray. Bon bah Nono, hein, pas réellement de surprise ce soir. Hein, la hiérarchie a tenu son rôle, on va dire. Ah bah oui, il n'y a pas eu de grosse surprise. Que dire, on connaît les phases de poule, hein, c'est bon, il n'y a pas trop de surprises. Bon, on sait très bien que la Ligue des Champions, ça commence en huitième. Bon, bah, mille excuses, hein, pour ces problèmes de son. Nous, on t'entend très mal, mais c'est pas grave. On va Ah bah je continuer. suis désolé, Sacha, il doit y avoir un problème On de va son. continuer la vidéo. Faudrait peut-être couper le haut-parleur, mais c'est pas grave. On va continuer comme ça. Bon, bah, demain, PSG Milan AC, 21h. Compo probable assez bizarre, Nono. Un 4-2-4 qui serait prévu. Bon, rien n'est définitif, hein, avec un Vitinha à gauche, un Dembélé à droite et un Ramos Mbappé devant. On retournerait avec un milieu à deux. Alors ça, c'était avant l'incertitude sur Warren Zaïre-Emery, mais apparemment, c'était à condition que Warren Zaïre-Emery était là, mais normalement, ça devrait quand même être en 4-3-3. Il a travaillé les deux schémas à l'entraînement, mais bon, on espère quand même que ce sera un milieu à trois, et si demain tu ne gagnes pas, ça risque d'être très très compliqué. Ah ben, je pense que ça va être un milieu à trois avec Vitinha qui est là quand même, Zaïre Emery, Ugarte, les trois attaquants devant. Bon, ben, toujours pareil, hein. Il va falloir mettre les ingrédients, il va falloir l'intensité. Tu vas avoir une muraille en face de toi. Ben, ça va être un match qui va être assez difficile. Hein. Salut à tous, à demain et mille excuses encore pour cette problématique au niveau du son. Tchuss!